J'espère que vous allez bien, est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Je vous remercie, vous allez devoir accueillir Séverine, s'il vous plaît, sur scène, qui va vous présenter le concours cosplay. Tu peux monter, vas-y, rejoins-nous. Reste appuyé, c'est pas grave, ça arrive. Hop. Voilà. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Non, mais il déconne bien, celui-là. Je suis fini, je suis encore perdu, mes soeurs. Elles sont toujours en terre, c'est ça, des filles. Marie, Sarah, montez ici, venez ici tout de suite. C'est quoi ce bazar? Marie, Sarah. C'est dingue, ça. Oui, oui. Hein? Qui c'est qui commande? J'arrive. T'es donc en train de faire ta baisse, toi. Voilà, ce micro. Et toi? Je vous laisse entre de bonnes mains. Passez un bon moment, merci. Ce sont des enfants par ici. Donc on va commencer par le concours de déguisement pour les enfants. Donc je vais appeler Abel en clown tueur. Il est parti? Il en a-tu un autre par là peut-être? Notre clown. Notre clown tueur. C'est pas grave, on va le faire passer après sinon. Ce cage où les poissons. Il a eu peur, parce que finalement on est plus méchants. Ah, je crois qu'on l'a récupéré. Ah, voilà, nous voilà notre clown tueur. Oh là, vous pouvez l'applaudir? C'est vrai qu'il est là. Vas-y, avance. Allez. On peut l'applaudir. C'est pas facile de commencer. Alors après, c'est Victoria en maléfique. On peut l'applaudir. Maintenant, nous appelons Mila en piratesse des Caraïbes. Mila? Là, vous pouvez l'encourager quand même. On va accueillir aussi Lexiane en Nezuko de Demon Slayer. En fait, cette année, on a une nouveauté, c'est qu'on va élire au fur et à mesure, parce qu'elle est petite, pour pouvoir tout s'est sorti. Donc là, en fait, je vais avoir les 4 participants qui vont venir sur scène. Vous allez délibérer. Je vais vous demander à tous les 4. Donc, alors, je rappelle, les 4 participants remontent sur Victoria, scène. Victoria, Milan, et Mila, pardon. Lexiane. Et Lexiane. Magnifique. Le clown. Notre petite piratesse. Attention, mettez-vous bien au milieu, qu'on vous voit bien. Les applaudir quand même, les pauvres. Alors ça y est, le jury a délibéré. C'est qui peut donner la réponse? Personne. C'est pour moi. Tu me le donnes dans l'oreille? Non, non, c'est moi qui ai la réponse. Je sais pas si je vais vous le dire. J'aime pas. Je ne vais pas donner les réponses, je suis pas gentille.
je vais dire. Je te transforme en chat. Allez, Winnie. Ok, je suis bien. Bon, bah alors, ils ont choisi Maléfique. Voilà. On peut applaudir. Parce que j'estime que vous avez un grand courage de pouvoir monter sur scène, vous allez être tous récompensés. Mais je vais appeler la plus petite, mais toute petite, la plus jeune. Je vais demander à Ruby de lever les visiteurs de nous accueillir, de venir. Et vous pouvez applaudir.
on va passer au déguisement, mais adulte, à partir de 13 ans. Donc je vais accueillir Lucas, Magic Fury. Lucas ? Donc je voulais surtout remercier pour ma tête Litty qu'on peut apercevoir au bout avec son ex et Ruffle et Obio pour les dessins, c'est une construction commune. Je tenais à remercier infiniment tout le monde. Maintenant, nous allons appeler Milo en Natsume Miku Strawberry. Un très très beau sujet pour un très très beau sujet. C'est pour la fin de la carte. Est-ce que Thor est là? Je l'ai encore reçu aujourd'hui. Est-ce que Thor a raison? Comment est-ce qu'il a tort? Robin? Mais quand ça se termine là? C'est la fin du jeu. Je suis fan de Loki. Et donc, Angelina en est. Angelina, pardon, avec mes excuses. Je vais demander à tous de revenir. Tous. Parce que je vois pas Thor. Thor, un dernier appel ? Regarde. Voilà, elle est partie. La délibération, ça a été un peu compliqué, hein, mais c'est toujours compliqué. Alors, la galette 2, c'est une galette. C'est Tatsune Miku. Passer au cosplay mais adulte. Donc je vais appeler Jean-Christophe en Litty Space Fur. Agnès, en armée queen prisonnière.
maître des minutes. Nous accueillons Jérémy en Jedi vert de Star Wars Legion. Tu ne manges pas celui-là. Toi, tu rigoles, le carré. Les parcelles, c'est pas bon. Maintenant, on appelle Romain en Boba Fett. Bonjour. Moi, mon père est ici et je vais vous montrer un peu mon cosplay. Donc, j'ai fait entièrement à la main. La seule chose que j'ai acheté, c'est le body. Mais en fait, c'était un body tout noir que j'ai retravaillé. J'ai recoupé et refait pour que ça m'aille bien, parce qu'en fait c'était trop grand pour moi. C'est compliqué à faire, ça m'a pris une semaine au total. Et voilà. Et petite fierté, c'est d'avoir fait ceci. Mais ça s'appelle mon fake hairline, donc c'est une fausse. C'est pas une raie de cheveux, mais c'est le fait de faire un effet de cheveux naturel. Et ça m'a pris 5 heures pour juste ceci. C'est très très compliqué. Et bon courage à ceux qui veulent le faire, parce que c'est compliqué. Merci. Maintenant, nous accueillons Mélène en esprit de la forêt. Encore, vous n'avez pas été à ta place. On a vu dans le.
Là, j'avoue que ça va être compliqué. Je préfère que ça soit vous. Bon, tu sais bien que de toute façon, je préférerais tous les manger. Les transformer en chat. Même pas peur. Surtout, t'as déjà la fourrure. Ah, bah, le manger. J'ai pas entendu. L'oreille dans l'oreille, faut savoir. Attends, j'arrive, je te le dis. Mais oui, vas-y, raconte-nous. Non mais, quel imbécile, allez, dépêche-toi, écoute. J'ai tombé. C'est ça, je vous jure. Pourquoi je suis pas fille unique? Alors je vais appeler Nubé, Lucie, Cyberpunk. Merci à tous et à toutes. Vraiment, c'était super difficile. Hein. Je crois qu'ils en ont vraiment bavé. Surtout, les cosplayers, les déguisés ne sortaient pas. Il y aura le coup de cœur du jury et le coup de cœur des trois sœurs. Donc voilà, il y a encore deux chances de gagner après. Non, parce que nous on est mauvaise, donc il nous faut un peu de main. Tu sais bien que moi, par les manger. Never Seal en Air Force. Attention les yeux, poussez-vous les filles. On va pas les manger celui-là non plus. Ah non. Bon, ça dépend, hein. Un coup t'enlèves les armes. Ouais, il y a peut-être plus rien à manger dessus. Ouais, surtout que ça m'a l'air pas épais quand même. Il n'y a pas beaucoup à manger. Ils se sont agressifs en plus. C'est qu'ils viennent pas là. Ouais, mais ça vaut pas la machine, quand même. Ouais, c'est vrai aussi. On n'a pas besoin de recharger. Eh, mais sans rien. Bah, appelez Fabien et Alex pour le SWAT. Je peux pas résister, désolé. Et là, on va se reconnaître en tant que magicienne. Moi j'adore. Et ça vient du cœur. Regardez ma magie pour la leur. Elle est encore moins facile que Winnie. Alors, Témis et Chloé en Joker et Batman. Ouais. Merci beaucoup.
blanche a fait un Rocky Leopard en Android et Androida, c'est l'univers cyberpunk. Merci, vous allez rester, on va appeler tous les autres. Les autres participants sur scène. On va couper un peu. Essayez de vous serrer les gants. Bonjour, vous n'êtes pas des fillettes, mais là, vous restez coupés. Hein. On va bien se tenir chaud. Alors, vous êtes tous prêts? Sarah, Marie, vous êtes encore pas prêtes? Non, mais c'est quoi ce bazar? On attend le résultat. Mais je vous attends, moi je sais tout. Eh ben, avance ça alors. Eh ben oui, d'accord, le tout. Il faut que je le fasse. Ben, ce serait bien, parce que je pense que les gens vont en avoir marre au bout d'un moment. Non, c'est pas drôle. Hein. Bon, allez, c'est Serpentard, les gagnants. Merci à tous, vous êtes vraiment super. De tous les déguisés, de tous les cosplayés, et je vais appeler les cyberpunk. C'est vous, oui. Merci, c'est vous. Sanderson. On va applaudir. Pour toutes ces heures de travail à payer la laine. Ouais, à payer les plumes. Bon, c'est Chirac qui va en hériter à mon avis, mais bon. Voilà. Vous pouvez applaudir parce que là, il y a du coup aussi. Mais moi j'ai participé un tout petit peu, c'est monsieur qui a tout fait. Donc Jérémy là-bas, pour ceux qui savent, on l'a Nos trois jurys, le vaisseau et tout ce qui en fait partie pour tout ce week-end, ce concours de cosplay et de costumes familial, sans prise de tête. Donc pour tout l'équipage, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements.
Et on va vous libérer pour pouvoir profiter encore un peu du salon. Merci à tous. Il y a quand même une dernière chose. L'année prochaine, on recommence.